En 2010, 568 millions d'euros. Et c'était même 1,5 milliard d'euros en 2008, vous avez qu'à voir. Pour dire. Vous avez le groupe Auchan, c'est autour de 705 millions d'euros en 2010. C'était 727 millions d'euros en 2008, après il y a la crise qui a légèrement tassé, très très légèrement. Mais quand on regarde les résultats du CAC 40, c'est, grosso modo, c'est 100 milliards d'euros tous les ans. Hein, alors donc, un peu moins ou un peu plus. Donc il y a ces profits. Et c'est vrai qu'il y a des causes, Girard en parle beaucoup dans son livre, qui sont des causes très différentes, diverses, hein, sur la fabrication du prix. Mais il y a une responsabilité nationale. On n'acceptera pas qu'on nous dise « on n'y est pour rien, c'est le coût du travail qui est trop cher en France, par exemple pour les ouvriers agricoles ». C'est trop facile, c'est vraiment trop facile de dire ça. On n'acceptera pas qu'on nous dise « c'est lié à la spéculation des produits alimentaires au niveau mondial ». C'est vrai qu'il y a des problèmes qui touchent à ça. Mais dans notre pays, on a un arsenal législatif qui, depuis 2007, a été mis en place par Sarkozy et qui, en fait, non seulement ne permet pas de mieux payer les agriculteurs, les producteurs, mais au contraire accentue la pression de la grande distribution sur les prix. Et ça, il faut qu'on s'attaque à ça. C'est-à-dire qu'ils ont cassé véritablement. Ils ont cassé le... C'était pas terrible. Mais il y avait quand même des formes de quelques formes de protection sur la fabrication des prix. Ils l'ont cassé au nom du libéralisme. Et donc il faut qu'on présente, c'est l'objet de la proposition de loi que j'ai déposée la semaine dernière, une articulation qui certes ne résoudra pas tout, j'insiste beaucoup là-dessus, mais qui permet déjà de prendre conscience de ce qui se passe. Et bien c'est la mise en œuvre du coefficient multiplicateur pour les produits alimentaires. Pour la production paysanne. La mise en œuvre du coefficient multiplicateur qui est porté, et je crois que c'est le seul d'ailleurs syndicat agricole qui porte cette proposition, le MODEF, hein, depuis longtemps, et qui avait d'ailleurs été mis en œuvre à la Libération, hein, qui est inscrit dans la loi pour les fruits et légumes, qui n'est jamais mise en œuvre. Nous, on veut en faire une obligation. C'est-à-dire qu'il y a cette articulation à tous les niveaux de la filière, avec tous les intermédiaires, pour que quand un prix augmente au niveau de la consommation, s'il y a une spéculation par rapport à ça, que mécaniquement, il augmente à la production. Et ce n'est pas avec l'objectif d'augmenter les prix, parce qu'au contraire, sa mise en œuvre permettra de limiter les prix aussi à la consommation. C'est une chose qui est extrêmement importante. Et à partir... C'est donc un outil qu'on veut mettre en place et qui est donc proposé, que nous avons proposé cette semaine. Et si on nous dit, mais comment vous réglez les questions de l'importation? Mais les questions d'importation, l'importation des produits alimentaires, c'est fait aussi pour, c'est surtout fait pour augmenter les marges. C'est-à-dire des produits qui vont être achetés à bas prix seront vendus au même prix que les produits qui sont produits chez nous. Or, la question du coefficient multiplicateur avec la limitation de la marge permettrait de pouvoir jouer aussi sur les profits qu'on se fait sur les importations. La deuxième chose, nous on pense qu'il faut un observatoire des prix des marges. Il existe, l'observatoire des prix des marges, mais avec une action extrêmement limitée. L'observatoire des prix et des marges doit associer l'ensemble des filières et en particulier les diverses organisations syndicales agricoles et véritablement doit imposer à tous les niveaux du négoce, de l'agroalimentaire, de la distribution, comment le prix est fabriqué, qu'il y ait véritablement une transparence par rapport à ça, parce que jusqu'à maintenant, l'Observatoire des prix et des marges fait des constatations de fluctuations des prix, mais ne s'attaque pas au cœur véritablement pour savoir d'où viennent les augmentations que l'on trouve au niveau de la consommation et qui, loin de là, ne se répercutent pas au niveau de la production. Donc il faut une politique forte de l'État par rapport à ça. Non pas une politique qui serait une politique centralisée, comme on pourrait avoir l'image de fonctionnaires venant ici pour comprendre ça, mais en associant les organisations syndicales, en associant les associations consommateurs, là aussi en faisant le lien entre les producteurs organisés et les consommateurs qui sont aussi organisés, et sans oublier bien évidemment les organisations syndicales ouvrières qui auront leur mot à dire par rapport à ça. C'est la deuxième proposition. Troisième proposition, ça veut dire que si on veut véritablement avoir une régulation, et même si on nous dit on peut rien, on peut pas faire avec l'Europe, on peut, à partir d'une conférence annuelle sur les prix, on peut dire telle ou telle production, il y a un prix plancher
Certes, c'est un prix indicatif, parce qu'on n'a pas le droit de dire que c'est un prix qui est imposé. C'est un prix indicatif qui sera défini par les différents, par l'ensemble de la profession, par l'ensemble de la filière, produit par produit. Et ce prix indicatif qui sera payé au producteur permet comme ça d'avoir un levier d'action pour que les paysans puissent vivre de leur travail. Donc voilà, tout simplement, c'est cette conception qu'il faut qu'on développe très très fortement. Pas d'opposition entre le consommateur et le producteur. Consommateur et producteur, même combat, il faut qu'on se retrouve, véritablement qu'on se retrouve, pour faire plier ceux qui, d'un côté, alimentent la vie chère, et qui sont les mêmes que ceux qui font crever les paysans, véritablement. C'est un combat qui a un combat commun, un combat partagé. D'ailleurs, tout ça, on le retrouve dans le programme partagé du Front de Gauche qui sera présenté cet après-midi au stand du Front de Gauche à 16h, je crois. À 17h. C'est très, très important qu'on prenne ces questions après le corps. On pourra connaître le... Je peux, oui, il est là. J'en ai un exemplaire, il va sortir. On l'a déposé la semaine dernière. Ça s'appelle proposition de loi, vous pourrez le trouver d'ailleurs sur Internet, mais ça va. Proposition de loi visant à encadrer les prix des produits alimentaires. Ça correspond bien à l'enjeu. Je voulais dire que les fruits qui sont derrière, les fruits et légumes, nous sont offerts par le comité de promotion des fruits et légumes du Lot-et-Garonne, il faut que je le dise, parce que normalement le directeur devait être là aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il y a tout un réseau de solidarité qui se met en place avec des gens de différentes sensibilités qui sont parfois très éloignés de ce que l'on peut penser plus généralement. C'est un partenariat avec le MODEF, l'initiative qu'on a menée le 18 août. Et pour représenter Raymond Girardi, nous avons le directeur, c'est comme ça qu'on dit ? Directeur du MODEF. Ton prénom ? Alain Gagnereau, voilà. Je vais lui donner la parole à quelques instants, parce qu'on veut quand même permettre aux participants de poser des questions. Et puis Gérard a sans doute d'autres choses à dire. D'assurer un véritable... revenu agricole. S'il n'y avait pas de prix minimum, on ne pourrait pas. Parce que. Ok. Bon, bonjour à tous. Je voudrais commencer mon intervention par les dernières statistiques qui sont sorties, que dans la profession on connaissait, mais qui ont été rendues publiques. Donc une baisse de 26% du nombre d'exploitants entre 1999 et aujourd'hui. Donc un quart en moins, ce qui est énorme. Qui représente à peu près 2%, donc 2,5% par an. Et cette perte du nombre d'exploitations est pour l'essentiel due au niveau des prix qui sont, ou au niveau de rémunération du monde paysan qui a de plus en plus de mal à se renouveler parce que c'est un métier difficile, un métier dur et difficile pour des jeunes de venir s'installer, d'investir des sommes très, très, de plus en plus importantes. Sans vraiment garantie ni de revenus, ni de pérennité de leur propre exploitation. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et cette problématique, elle s'illustre aussi dans d'autres statistiques sorties aussi récemment sur les fruits et légumes, hein, qui concernent des départements comme le Lot-et-Garonne ou des départements comme les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, etc. Et en ne prenant que les légumes, c'est assez édifiant quand même. En 10 ans, la production, le déficit, pardon, en légumes frais, le déficit a augmenté de 102%. Il a été multiplié par deux, le solde des échanges a été multiplié par deux. Du fait, pour l'essentiel, d'une baisse de la production de 15% en légumes frais, ce qui est énorme, avec une augmentation de 35% des importations. Je veux dire, voilà, ça illustre totalement... La problématique du monde paysan qui est confronté à ce foutu libre marché, libre concurrence, donc on dit qu'on ne peut pas en sortir puisqu'on nous aurait soi-disant coincé dans les textes européens nous empêchant de revenir sur ces grands fondamentaux soi-disant de l'Europe qu'on n'a pas voulu, en tout cas pas de cette Europe-là. Cette libre concurrence, le libre marché, on est arrivé à un stade aujourd'hui où on est en plein
dans la délocalisation des productions. La délocalisation des productions, ça ne vaut pas que pour la manufacture, ça vaut aussi aujourd'hui, malheureusement, pour l'agriculture, ces 10 dernières années, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voir aujourd'hui qu'on est déficitaire de manière relativement importante en fruits et légumes, dans un pays comme la France, c'est une totale aberration. Et c'est vraiment l'aberration d'un système. Et sans, parce que bon, Gérard et André sont intervenus, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit pour l'essentiel. On partage les mêmes opinions. Mais je voudrais comparer l'agriculture avec sur le problème des prix garantis, où à chaque fois on nous rappelle qu'on ne peut pas, c'est porter atteinte à la libre concurrence. Et le comparer à l'énergie, et notamment l'énergie éolienne, où l'État a décidé de faire des parcs offshore qui vont représenter des milliards d'euros. Et pour se garantir et s'assurer que des investisseurs vont investir sur ce secteur-là et que des entreprises vont gérer ce secteur-là, l'État va garantir un prix 4 fois supérieur au prix de l'énergie nucléaire. Donc qu'on arrête de nous dire qu'on ne peut pas garantir des prix dans l'énergie, et là malheureusement, et désolé de le rappeler, mais on est malheureusement là aussi sur un marché de libre concurrence qui est ouvert, on ne l'a pas souhaité, on ne l'a pas voulu, mais il y est. Donc les arguments du gouvernement aujourd'hui tombent complètement à plat face à cette réglementation des prix sur l'éolien. C'était simplement voilà, pour démontrer que rien n'est impossible et que je suis d'accord avec André sur la problématique des prix indicatifs, mais je pense aussi qu'au niveau européen, il faut absolument qu'on se batte sur l'idée d'un prix plancher qui soit supérieur au coût de production, ou en tout cas qui permette aux agriculteurs de pouvoir vivre de leur métier. Et nous, on dit il faudrait pouvoir garantir pour quelqu'un qui travaille un temps complet sur une exploitation à minima un SMIC et demi, et encore, on n'est pas on n'est pas au niveau d'une rémunération des exigences d'un métier qui sont aujourd'hui de plus en plus fortes. Je voulais ajouter une phrase. Proposition de loi, on a parlé de prix indicatif, effectivement, c'était pour qu'elle soit recevable. Parce que si on mettait prix plancher, et si on ne mettait pas prix indicatif, elle ne serait pas recevable. Et je vois la proposition de loi précédente que j'avais déposée sur le revenu agricole était arrivée en discussion. Le ministre avait été obligé de venir en séance, elle est arrivée en discussion dans le cadre d'une niche parlementaire. Alors si on veut en faire une niche parlementaire, pour qu'elle véritablement elle arrive en débat, on est obligé de marquer prix indicatif, sinon on nous dit que c'est en opposition avec les directives européennes. Oui, il faut se souvenir que avant, il y avait une certaine garantie des prix agricoles au niveau européen. Et donc, de ce fait, il y avait un prix indicatif pour un certain nombre de produits, notamment les céréales, la viande bovine, les produits laitiers, etc. etc. Et donc, ce prix indicatif a été supprimé quand on a fait la réforme de la politique agricole commune de 1992, quand on a mis l'agriculture dans l'OMC, puisque c'était la porte ouverte à la concurrence mondiale et donc on ne pouvait plus avoir de prix indicatif à partir de là. Voilà comment les choses se sont passées et voilà comment on a poussé depuis à la ruine des producteurs agricoles. Question dans la salle. Question dans la salle. La salle s'exprime. Là, on parle beaucoup de prix, mais il n'y a pas que de prix. Il y a aussi les engrais, les pesticides qui sont interdits en France et puis qui sont autorisés dans d'autres pays. Qui sont autorisés dans d'autres pays, les pesticides, tout ça. Donc, il n'y a pas que le prix. Il y a aussi ce qu'on mange. Voilà. Oui. En Espagne, par exemple, je pense que... Enfin, je ne connais pas trop, mais... Voilà. Oui, on produit pour manger décemment et qu'on puisse vivre longtemps. Ça, c'est une véritable question. Mais je crois que le travail qu'on engage... Aujourd'hui, il y a une urgence en même temps qu'il faut faire monter très fort, c'est ce que vient de dire André, c'est qu'il faut vivre de son travail. Donc il faut payer le travail à sa juste valeur, comme on dit. Si on veut sortir de la crise, il faut payer le travail à sa juste valeur. Mais est-ce que les engrais, dans le... Les engrais, est-ce que les autres... Mais André, est-ce que tu veux donner ton opinion là-dessus? Ça peut être aussi des réponses, hein. J'ai eu le plaisir de partir en vacances en Aveyron cette année,
et j'ai pris comme livre de chevet le livre de Gérard Lepuy. Alors, effectivement, la question qui revient le plus souvent, c'est cette violence qui s'exerce sur les producteurs et les consommateurs. Cette violence dont on est en train de discuter. Et pour aborder la question que vous posez, dans le livre de Gérard Lepuy, il y a une autre question. C'est que cette violence qui s'exerce sur les producteurs, il y a plusieurs façons d'y faire face. Bon, c'est ce qu'on essaie de faire, de lutter et ensemble de trouver des solutions communes. Mais tout le monde, quand on est pris, et c'est humain, quand on est pris dans cette violence-là, chacun essaie de réagir comme on peut. Donc on en arrive à des pratiques de production qui sont assez mauvaises pour la consommation. Alors cet aspect-là, il y a des pratiques agronomiques, le livre de Gérard Lepuy pose ces questions-là, qui sont assez complexes d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faudrait que je relise le livre. Mais je voudrais que... Il a beaucoup travaillé, et je voudrais que Gérard aborde justement cette question-là, de la pratique qui sont... je trouve qu'on ne peut pas condamner comme ça. Ce sont des faits qui conduisent à un État. Je ne veux pas porter un jugement sur ce qu'ils font ça. Mais là, on voit que la question de l'écologie, la vraie écologie, basée sur des questions réelles, et pas sur des trucs comme ça un peu en l'air, là, on voit vraiment qu'on pose la question de l'eau, par exemple. Dans notre sujet, la question de l'eau. Mais Gérard le fera mieux que moi, je lui laisse la parole. Je promets, et je conseille à tous ceux qui sont là, et à bien d'autres, de le dire, ce livre est une mine de recherche, un vrai travail journalistique, et voilà, je remercie Gérard. Voilà. Donc vous pourrez avoir un si bon agent commercial dans le public. Moi je voudrais intervenir par rapport à ce qu'a dit André Chassaigne, sur le plan politique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'a pas une force politique assez importante pour faire inverser la tendance du productivisme, je crois qu'on n'avancera pas aussi facilement. Par contre, l'idée d'associer les consommateurs et les producteurs, ça c'est une idée que je soutiens 150%. Parce qu'on n'y arrivera pas tout seul les paysans, surtout les paysans qui défendent l'agriculture, la vraie agriculture, voilà. Parce qu'on est ultra minoritaire et surtout par rapport au MODEF, je crois que les politiques ont un grand rôle à jouer là-dedans pour que les petits producteurs puissent s'exprimer dans les instances professionnelles, c'est-à-dire les chambres d'agriculture. Et je pense que là, il faut mettre l'accent pour revenir à une proportionnelle, parce que le MODEF est exclu dans un grand nombre de départements en France par rapport à la façon dont se déroulent les élections. C'est-à-dire que, joignons-nous dans le Jura, on n'est plus représenté parce qu'on nous a passé la représentativité de 15% à 5%. Et les combles de l'histoire, c'est nos amis socialistes qui nous ont imposé. Donc, moi, je pense que si on ne revient pas à la proportionnelle pour que toutes les couches de l'agriculture puissent s'exprimer, on ne pourra pas inverser la vapeur dans les départements au niveau de la politique agricole. Mais en même temps, il faut que les politiques aussi fassent le nécessaire pour qu'ils aient la force d'imposer en quelque sorte une agriculture paysanne. Alors, moi, je me tourne vers les consommateurs parce que les paysans seuls pourront pas imposer politiquement puisque les petits paysans représentent, je ne sais pas exactement en pourcentage des paysans, ce que ça représente. Alain Gagner pourrait peut-être nous le dire. Mais on peut dire que c'est presque zéro par rapport à ça. Et si les consommateurs ne nous aident pas par leur vote politique, là, pour appuyer sur des décisions, on ne changera rien du tout. Voilà. Nous initions depuis plusieurs années cette démarche qui vise à faire débattre et rencontrer à travers les opérations d'été et qui se décline un peu dans un nombre de départements, producteurs et consommateurs. Et je crois qu'il faut en faire une exigence politique de cette question au-delà de l'échange producteur-consommateur. C'est ce que disait au départ André Chassaigne. Il faut qu'on le porte à un niveau plus élevé. On a sans doute un rôle et un atout que n'ont pas d'autres formations politiques pour y contribuer.
Comment on fait? Tu veux dire quelques mots? Paul Ardouin, qui a déjà écrit également ses mémoires. Ensuite, André, parce que André va devoir s'en aller. Une minute, il veut Paul. Parce qu'après, vous jaillez au centre de l'Allier, là-bas. Pour dire simplement que l'introduction du secrétaire fédéral du Lot-et-Garonne, lorsqu'il dit qu'il y a changement d'opinion, je porte témoignage d'une réunion il y a 3 jours à Toulouse avec un milieu qui n'avait rien d'agriculteur, de consommateur et d'intellectuel, où j'ai été débordé par les questions qui m'ont été posées et ému par la façon dont le consommateur a compris la nécessité d'assurer un revenu aux agriculteurs pour qu'ils mangent dans de meilleures conditions. Au fond, dans le livre que j'ai écrit, qui est pour l'autorisation syndicale, c'est une ligne directrice incontournable. Le revenu agricole a été bon chaque fois qu'il y a eu une lutte commune entre le monde ouvrier et le monde paysan. C'est vers cette union qu'il faut continuer. Je n'ai rien à ajouter à tout ce qui a été dit. Vous avez là un livre, ceux qui veulent l'acheter, il retrace le combat d'un pauvre militant paysan. Et en le présentant, je crois avoir 25 ans. Oui, je vais rajouter quelques mots, et après Gérard et les autres intervenants continueront le débat, parce que je suis obligé, pas obligé, c'est un plaisir, d'aller au stand de l'Allier, où il y a la présentation d'un très bel ouvrage de témoignages sur le communisme paysan dans le département de l'Allier. Et je vois que les copains sont déjà là, ils me font les gros yeux, donc je vais me dépêcher. Pour rajouter une chose, et les propos que je tiens, j'aurais pas dit la même chose il y a 5 ans. D'ailleurs, sur beaucoup d'approches, et je crois que cette évolution, bon, c'est l'évolution que j'ai à titre personnel, que beaucoup sans doute ont ici. Il y a 5 ans, ou 10 ans, sur les questions qui sont les questions du devenir des agriculteurs, je crois, avec mon formatage politique, avec ma vieille culture coco traditionnelle, je crois que j'aurais répondu en disant la solution est dans une transformation, bien sûr, de la société avec des décisions politiques qu'on prendrait en haut et qui permettraient de résoudre, en tenant tous les bouts, de résoudre la question du revenu des agriculteurs. Je crois que j'aurais eu cette réponse-là. Donc une réponse avec une approche politique, qui est une approche politique que je dirais très institutionnelle à partir des luttes syndicales, bien sûr, des luttes syndicales. D'ailleurs, on a vu que cette prise en compte des luttes syndicales s'est faite avec des décisions prises par les gouvernements de droite, voire de gauche, avec le poids, l'omniprésence de la FNSEA qui a fait la politique agricole de ce pays. Donc j'aurais sans doute, je pense, répondu comme ça. Et depuis quelques années, je suis de plus en plus persuadé qu'il n'y a pas seulement cette clé d'entrée-là. Bien sûr, il y a ce qu'on peut inscrire dans un programme tel que notre programme partagé, parce qu'il y a des mesures politiques fortes qu'il faut prendre. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, on pourrait revenir là-dessus. Mais je crois qu'il y a une dimension nouvelle sur laquelle je voudrais encore davantage insister. C'est cette dimension nouvelle, et ça répond aussi à la question concernant la qualité sanitaire des produits alimentaires. C'est l'intervention citoyenne. C'est l'intervention citoyenne. Et c'est faire en sorte, même si ça ne règle pas les questions d'agriculture, mais quand même, c'est faire en sorte que partout où on le peut, on développe des réseaux qui soient des réseaux de proximité et qui permettent d'établir ce lien entre le producteur agricole et le consommateur. Partout, qu'on soit à la pointe du combat pour, avec des citoyens de toute sensibilité, créer des AMAP, créer toutes les formules qui peuvent exister. Parce que c'est à partir de là, avec avec ce lien direct, avec des circuits courts, qu'on gagnera aussi la bataille de la qualité. Parce que la bataille de la qualité, on la gagnera là-dessus, mais il y a aussi d'autres problèmes
dont Gérard parlera tout à l'heure, qui ont été esquissés dans la question de l'intervenant, mais je laisse Gérard par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il faut être à cette initiative, pas dans cette initiative. Et si nous, on veut justement renverser la vapeur sur cette société qu'on nous impose, commençons nous-mêmes à donner à voir autre chose que le mécanisme capitalisme qui existe aujourd'hui. Et la deuxième chose, il ne faut pas que ça reste uniquement au niveau du lien direct entre consommateurs et producteurs. Il y a une responsabilité des collectivités territoriales. Dominique Bouchini est parti. Ah dommage, on avait le président de l'Assemblée de Corse là qui écoutait nos échanges. Bon, Jean-Claude Méral qui connaît bien ses problèmes aussi. Hein. Et je crois qu'il faut, à tous les niveaux, dire la restauration collective sur laquelle on a une maîtrise a aussi son mot à dire par rapport à ça. On a donc commencé, notamment par un amendement que j'ai réussi à faire passer dans le Grenelle de l'environnement, à inscrire dans les critères du Code des marchés publics la proximité, qui est un critère qui est admis aujourd'hui quand on achète des produits alimentaires. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Et quand on nous dit « la solution est dans le bio », je suis pour ma part extrêmement favorable au développement du bio. Dans mon petit village, on a créé un atelier de découpe de viande bio avec les producteurs. C'est dire. Mais méfions-nous, parce que derrière tout ça, il y a l'instrumentalisation capitaliste où le pourcentage de bio de 20% qu'on devrait avoir dans la restauration collective, c'est des importations qui viennent et qui font 2000, 3000, 4000 kilomètres. Nous, ce que l'on veut, c'est la qualité. C'est bien sûr la qualité, mais c'est aussi donc la proximité. C'est-à-dire un circuit court ne signifie pas forcément proximité. Il faut rajouter à la notion de circuit court les achats de proximité. Donc, faisons pression auprès des collectivités territoriales. Et les élus communistes et républicains que nous sommes, prenons nos responsabilités, comme on le fait d'ailleurs dans les conseils régionaux, dans les conseils généraux, pour faire monter cette exigence, parce que c'est aussi à partir de cette approche territoriale qu'on arrivera à sauvegarder le tissu agricole dans notre pays. Merci. Donc Gérard, tu poursuis à partir des questions de l'Allier, un terme de communisme rural, puisque nous avons eu le premier député communiste de France, Renaud Jean. Mais cela dit, il faut le faire vivre dans les conditions d'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Oui, je repartirai de la question qui a été posée par madame tout à l'heure. Engrais et pesticides, effectivement, on en met énormément en France. Pourquoi on en est là ? Je crois qu'on a trop spécialisé l'agriculture, grande culture d'un côté, élevage de l'autre, production de fruits et légumes ailleurs, et qu'on n'a plus cette diversité agricole qu'on avait auparavant. Or, il se trouve que, avec l'énergie de plus en plus chère, avec les engrais qui seront aussi de plus en plus chers, eh bien, dans les prochaines décennies, il va falloir modifier les pratiques. Et moi, les idées que j'avance, c'est n'attendons pas 2025, 2030 ou 2040 pour changer les choses. Faisons-le dès maintenant et profitons surtout de la réforme de la politique agricole commune pour promouvoir une agriculture beaucoup plus agronomique et beaucoup plus écologique. Or, malheureusement, ça n'en prend pas le chemin parce que... on a commencé à discuter de la politique agricole commune, de la réforme donc qui va être bouclée en 2013 pour être mise en place entre 2014 et 2020. On parle dans ce contexte de verdissement de la politique agricole commune, mais la principale mesure, c'est la suivante. Dans une exploitation agricole spécialisée, la même culture ne devra pas occuper plus de 70% de la surface et il faudra au moins faire 3 cultures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans une exploitation céréalière de 300 hectares, eh bien, on pourra faire 70% de blé, on fera peut-être 5% de colza et on fera 25% de maïs. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas ça le verdissement de la politique agricole commune. Ça peut pas être ça. Moi, je pense que, compte tenu que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne importent énormément de protéines végétales sous forme de graines ou de tourteaux, du soja par exemple, eh bien, comme on donne des primes européennes, les fameux droits à paiement uniques, on pourrait, dans chaque exploitation céréalière,
imposer un plan de montée en charge des cultures protéagineuses. Alors ça peut être du soja dans le sud de la France, ça peut être du pois protéagineux dans les régions du nord, voire de la févrole ou du lupin dans les terres acides un peu. On a des tas de possibilités, ça peut être de la luzerne en Champagne et dans d'autres régions où la luzerne donne de très bons rendements. Donc, mais si on orientait intelligemment les aides européennes, on pourrait avoir une agriculture beaucoup plus écologique sans dépenser un sou de plus. De la même manière, on pourrait aussi avoir une prime à l'herbe, puisqu'il y a beaucoup de régions herbagères, qui soit plus élevée quand il y a une association de graminées et de légumineuses, parce que les légumineuses, elles ont deux avantages. D'une part, elles apportent des protéines aux animaux, et d'autre part, elles fixent l'azote de l'air sur leurs racines, et on n'a pas besoin de mettre d'engrais azoté. Donc c'est une transformation naturelle de l'azote de l'air. Donc on est gagnant à tous les coups. Mais là aussi, on est allé au plus simple, en général pour réduire la charge de travail dans les exploitations, parce que les marchands de matériel avaient intérêt à vendre du matériel, les marchands de pesticides avaient intérêt à vendre des pesticides, les semenciers, qui sont souvent aussi des marchands de pesticides, avaient intérêt à vendre et des engrais et des nouvelles semences. Et donc, le paysan, il s'est fait un peu progressivement déposséder de son savoir-faire, d'autant plus que les écoles d'agriculture ont aussi souvent enseigné les techniques productivistes qui avaient cours ces 50 dernières années. Mais, je l'affirme, moi, il est possible de faire autrement, mais ça suppose qu'on ait une réforme différente de la politique agricole commune que celle qu'on a eue, la dernière fois et l'avant-dernière fois. Voilà. Est-ce qu'on prend une série d'interventions dans le public ? Une série d'interventions. Juste un tout petit truc. Alain, oui. Il y avait ensuite Alain. On va donner la parole. Au niveau des engrais, tout ça, c'est bon. On en utilise en France, mais quand on achète des fruits moins chers qui viennent d'Espagne, il y a des pesticides ou des engrais qui sont interdits en France. Donc il faut que les gens ils le sachent. C'est surtout ça. Voilà. Donc savoir, on achète des fruits moins chers, mais savoir ce qu'il y a dedans, c'est pire, bon but. Alors, on s'empoisonne. Ouais. Alors, Alain Gagnereau, le directeur du MODEF, pour ceux qui arrivent. Oui, moi, je vais pas faire dans le populisme. Non. C'est pas du tout par rapport à toi. Je dis ça. Non, simplement par rapport aux idées reçues qu'on a et que certains véhiculent. Je suis d'accord avec ce que disait Gérard par rapport aux engrais. Les engrais sont mauvais essentiellement parce qu'ils coûtent très cher pour être produits et parce qu'ils ont un impact environnemental à la production très fort, très négatif. Par contre, attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les engrais ont permis d'augmenter la production en France après-guerre, ont permis à une période d'atteindre l'autosuffisance, même si aujourd'hui, pour des raisons politiques, on l'a perdu, cette autosuffisance. Mais un engrais, comment expliquer ça ? Les nitrates, dont on nous parle beaucoup, dans le sol, les nitrates, ils ne proviennent pas nécessairement que des engrais. Les nitrates, c'est aussi quelque chose de naturel. Vous avez aussi des nitrates, quand vous épandez du fumier, le fumier, il n'y a rien de plus naturel que du fumier, ou du compost. C'est plus, comment dire, il ne s'agit pas demain de produire sans engrais, il s'agit demain de produire de manière raisonnée et de ne pas faire tout et n'importe quoi, et de prendre et de bien analyser l'impact écologique, l'impact environnemental, l'impact sur la santé des consommateurs, et c'est en prenant en compte le revenu du paysan, et c'est en prenant en compte ces trois éléments-là qu'on avancera dans le débat avec l'ensemble des citoyens. Parce que on entend des choses aujourd'hui, mais qui sont complètement aberrantes, quoi, et qui sont fausses, Des produits phyto, ok, ils sont dangereux, ça c'est clair. Il faut qu'on arrive à les réduire progressivement et dans les années à venir encore de manière plus importante. Mais autant pour des raisons de santé, mais je dirais plus pour des raisons environnementales. Parce que là aussi, c'est facile. Vous voyez des grandes études qui sont faites, un coup aux USA, un coup ailleurs, qui sont complètement contradictoires, qui disent l'inverse.
comment un citoyen peut s'y retrouver dedans? C'est pas possible. Faire la part des choses, c'est pour être en contact avec ceux qui travaillent la terre, avec ceux qui y vivent tous les jours et qui sont les plus à même de pouvoir expliquer aux consommateurs le pourquoi du comment et comment demain on peut faire progresser et évoluer faire évoluer l'agriculture vers quelque chose qui soit acceptable par les citoyens, par les agriculteurs et par les consommateurs. Bon, pour réduire les coûts de la main d'œuvre. Parce qu'ils pensent que le coût de la main-d'œuvre salariée agricole est trop élevé et que c'est pour l'essentiel à cause de ça qu'on n'est pas concurrentiel. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposaient de mettre en place une TVA sur les produits, sur les boissons gazeuses entre autres, c'est-à-dire ce qu'a proposé Sarkozy quelques temps après, mais pas pour les mêmes raisons. Lui, il est proposé pour réduire les coûts de main-d'œuvre. Et quand on regarde bien, en fait, si on analyse un petit peu, le salarié n'aurait pas de baisse de salaire puisque ça serait sur des baisses de charges sociales qui seraient prises en charge, soi-disant, sur le projet du député, par de la TVA sur les boissons gazeuses et boissons sucrées, ce qui implique que le salarié, quand il va aller faire son marché, c'est lui-même qui va payer l'exonération de cotisation sociale de son employeur sur son propre travail. Vous ne croyez pas qu'à un moment... Là aussi, il y a quelque chose à dire, parce que c'est une histoire de fou. Ils se foutent de notre gueule, puisque cette même proposition a été reprise pour réduire le déficit de l'État. Donc voilà, on veut nous faire avaler tout et n'importe quoi, et au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs, des salariés et du revenu du travail des uns et des autres. Voilà, c'était juste une petite anecdote, mais... À travers toutes les mesures de France, de Navarre et d'Europe, etc., la question tourne autour, toujours, qui doit payer? Où va le produit de la richesse? Parce que pour l'agriculteur comme pour les autres, il faut payer le travail à sa juste valeur. Il faut reconsidérer le travail. Parce que dans ce que tu viens d'expliquer, une fois de plus, on déconsidère le travail. On ne paye pas la matière première. La matière première, c'est l'humain. C'est celui qui crée, c'est celui qui produit, c'est celui qui concourt à la production. Celui qui fait la richesse d'un pays, d'un patrimoine, celui qui fait la fierté, d'ailleurs, envoie les produits, etc. C'est ça qu'il nous faut mettre en valeur, qu'il nous faut mettre ce qui peut fédérer des débats, des réflexions, comme l'a évoqué tout à l'heure notre député, c'est véritablement cette question. Parce que ce soit le consommateur ou que ce soit le producteur, ils se sentent agressés, ils se sentent déconsidérés, ils se sentent dévalorisés. Il faut leur redonner de la fierté. Fierté à travers la considération, c'est-à-dire payer le travail et le remettre au centre quand on dit d'abord l'humain, c'est ça la question. Hein. Moi je crois que c'est ça qu'il nous faut travailler pour fédérer et rassembler. Sinon on ne s'en sortira pas puisqu'on sera toujours sous pression. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent conserver cette agriculture à taille humaine. Et c'est ça qu'ils souhaitent considérer ces producteurs, que souhaitent considérer, préserver ce patrimoine. Et donc, ça veut dire qu'on a un champ, qu'on a des possibilités d'intervention, de rassemblement, de débat, de construction d'autres choix possibles qu'on n'avait pas hier dans la population. Parce que les débats, ils existent toujours dans des petits cocons chez les spécialistes. Mais aujourd'hui, on est en mesure de développer un débat de masse dans le pays sur cette question qui a à voir avec l'alimentation de qualité et la production. Assurer à chacun le droit de produire, de vivre de son travail et de consommer. Vas-y, Paul. Je n'ajoute rien. Simplement que le débat qui est dans la rue, entamé, si important, et l'heure avancée, je vous invite en tout cas, demain, à la même heure, au centre du Tarn-et-Garonne, de l'autre côté, de continuer ce débat. Et vous pouvez aussi y acheter mon livre qui montre les combats des syndicalistes de progrès, au fond, qui relatent la lutte des paysans travailleurs contre les chapeaux blancs. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? J'ai vu un paysan il y a 15 jours, qui est l'ancien producteur de tabac, qui est maire d'une commune rurale. Il me dit, je me souviens d'un gars qui haranguait les foules, il s'appelait Paul Ardouin. Qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, j'ai dit, il est toujours
dans l'action. Il vient d'avoir 90 ans et il a édité un livre pour transmettre son expérience aux générations futures. Voilà. Merci. J'ai rien en plus à ajouter. J'ai commencé de militer un peu avant la libération quand même. Hein. Bon. Puisque j'ai adhéré au comité de défense et action paysanne en 1943. Bon, je ne suis pas un héros, croyez-moi. Mais en fait, bon, ce que ma vie de syndicaliste a été animée par ce seul objectif, qu'il n'y a pas d'unité paysanne, qu'il ne peut pas y avoir d'unité paysanne, que lorsque la Fédération des exploitants parle d'unité paysanne, c'est pour faire des petits, des fantassins au profit des gros, et que j'ai essayé de souligner que j'avais été dans un syndicalisme de combat des paysans travailleurs contre les paysans exploiteurs. C'est tout. Oh, ben, c'est vrai que la Fédération des planteurs de tabac m'a apporté beaucoup, parce que c'est une des rares fédérations qui a refusé d'adhérer en tant qu'association spécialisée à la Fédération nationale des syndicats d'exploiteurs, qui a toujours été une association de combat pour le prix, mais aussi pour l'organisation la plus facile de la culture en soulageant les producteurs, et qui a mis en avant le maintien d'une industrie locale qui, malheureusement, la politique libérale a fusillé. Nous étions 50 000 planteurs de tabac en France en 1945. Il n'y en a plus aucun depuis cette année. Il n'y en a plus aucun depuis cette année. Ont disparu toutes les usines de transformation de tabac, de fermentation d'ailleurs. C'est-à-dire que ouvriers et paysans du Lot-et-Garonne et du Dordogne d'ailleurs en ont drôlement souffert. Et je voudrais en terminant souligner le mérite de la municipalité de Sarlat. Je ne connais pas son étiquette. Mais il n'y a plus de planteurs. La coopérative de Sarlat a été cette année en faillite. Et à Sarlat, on s'évertue de pousser les agriculteurs, anciens planteurs de tabac, vers une culture légumière de proximité et saine, et qu'elle soit consommée par les cantines ouvrières et cantines scolaires de la région. Je crois que c'est une bonne initiative. Moi, je voulais simplement appuyer sur le livre de Paul, parce que il est trop modeste. Ce livre est intéressant à oui. On a deux livres ici qui sont hyper intéressants. Un d'un agriculteur qui s'est engagé très tôt dans la vie associative, dans la vie syndicale et dans la vie politique. Qui a traversé les années, qui a toujours fait face aux crises, qui a toujours fait face, y compris à des contradictions et y compris, comment dire, à des problèmes politiques dans sa propre organisation, qui a su le dire, qui l'a assumé, qui l'explique de manière claire, sans polémique. Voilà, c'est quelqu'un, c'est le témoignage d'un militant simple, intelligent, qui, à l'âge qu'il a, me surprend toujours. Il est capable de vous faire un discours, j'allais dire qui tient la route, c'est pas le terme, mais un discours vrai, un discours juste. Voilà. Et je vous invite aussi à acheter ce livre et son complément, qui est celui de Gérard Le Puy, qui a vu et qui voit l'agriculture en tant qu'expert, parce qu'il l'a tout le temps suivi en tant que journaliste. Voilà, entre les deux, vous avez de quoi faire de longues soirées de débats et de discussions chez vous. Pense d'Europe et du monde de réfléchir, parce qu'il y a un travail qui touche tous les aspects de l'agriculture par toutes ses entrées, ici et ailleurs dans le monde. C'est un document, comme l'a dit tout à l'heure Gilles, un Lot-et-Garonnais, un document extraordinaire pour construire une alternative à la situation actuelle dans le domaine agricole et alimentaire. Je trouve que c'est une contribution que seuls aujourd'hui les communistes, je l'ai dit au départ, peuvent produire, dans la mesure où c'est le seul parti qui dispose d'un journal
de journalistes comme Gérard Lepuile, qui travaille depuis des décennies à la terre et à l'humain, et qui contribue énormément à la réflexion et qui a eu contribué à ce qu'on appelait la section agraire du Parti communiste. Donc c'est important de le souligner également et de le lire pour notre travail de militants dans les milieux les plus différents, les plus divers, que l'on pratique au quotidien, que ce soit professionnel, élu, citoyen et autres. Je pense que nous arrivons à la fin d'une époque, c'est-à-dire à la fin d'une époque où on pensait qu'il suffisait d'agrandir les exploitations, de cultiver de plus en plus, de faire des économies d'échelle pour avoir une agriculture performante. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les exploitations agricoles les plus rentables, ce ne sont pas forcément les plus grandes, ce sont celles qui font des choix intelligents de réduire les intrants, de rechercher l'autonomie fourragère quand on nourrit des animaux. Et donc, l'agriculture des prochaines décennies, à mon avis, sera très différente de celle que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que le pétrole va être de plus en plus cher, l'eau dans plusieurs régions du monde sera de plus en plus rare, donc les engrais, comme le pétrole sera cher, seront de plus en plus coûteux, et donc il va falloir réinventer des bonnes pratiques agronomiques. Alors je suis d'accord avec Alain Gagnereau, il faudra toujours des éléments fertilisants, mais on peut les produire différemment, par exemple en Bretagne aujourd'hui, il y a trop d'azote issu des déjections animales, et dans d'autres régions, céréalières pour l'essentiel, il n'y en a plus du tout. Et donc, il va falloir se réapproprier une autre forme d'agriculture, et une agriculture qui demandera peut-être plus de main-d'œuvre qu'aujourd'hui. Par exemple, certains prendront ça pour une idée farfelue, mais je suis convaincu que l'arbre nourricier peut jouer un très grand rôle dans les prochaines décennies. Qu'est-ce que j'entends par là ? Pendant des siècles, par exemple, le châtaignier a nourri énormément de gens dans certaines régions. Eh bien, relancer les châtaigneraies, cela ne veut pas dire qu'on va manger des châtaignes tous les jours en hiver, c'est pas ça. Mais ça veut dire que les citadins comme les ruraux peuvent réintroduire la châtaigne dans leur menu alimentaire. Autre chose, par exemple, si on avait beaucoup d'oliviers, beaucoup plus qu'on en a aujourd'hui, beaucoup plus de noyers, on pourrait consommer essentiellement de l'huile de noix. Et à partir de là, eh bien, peut-être que l'huile de colza, elle pourrait servir pour une part à faire tourner les tracteurs. Parce que autant moi je suis opposé à de grandes usines, de grandes unités pour faire du diester ou pour faire de l'éthanol, et qui ferait que les carburants agricoles rentreraient en concurrence avec l'alimentation et donc pousseraient à l'augmentation des prix, autant je pense qu'on peut avoir des solutions intelligentes, ça existe déjà notamment dans le département des Landes, avec des petites cumas où, par exemple, on presse de l'huile. Alors pour l'instant, ils la vendent aux consommateurs, mais s'il y en avait de trop, on peut faire tourner les tracteurs avec ça. Et donc, on peut aussi recycler les tourteaux pour nourrir les animaux. Donc, il y a beaucoup de solutions novatrices à trouver, mais il faut tourner le dos à ce qui s'est fait jusqu'à présent et réinventer, je dirais, une agriculture intelligente et qui fera travailler plus de monde qu'aujourd'hui. Voilà un peu la deuxième partie du livre que j'ai écrit porte sur ce type de solution. Une autre étant, par exemple, de renouer avec les ceintures vertes autour des grandes villes. Moi, j'ai été en Chine en 2006. C'était un voyage de presse organisé par l'Association des journalistes agricoles. Alors, on critique beaucoup la Chine, on dit beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai été en Chine, il y a de très grandes villes en Chine, et c'est vrai que dans un premier cercle, on voit surtout des grues, mais dans un deuxième cercle, on voit
toujours du maraîchage, que ce soit sous serre ou de plein champ. Dans un troisième cercle, c'est des arbres fruitiers. Et c'est seulement dans un quatrième cercle qu'on trouve les rizières. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, eh bien, comme les villes sont très peuplées, 15-20 millions d'habitants des fois, ou 7-8 millions, les produits les plus périssables, ils viennent du plus près. Et les produits qui se transportent mieux, ils viennent de plus loin. C'est aussi simple que ça. Ici, en région parisienne, par exemple, vous avez 11 millions de consommateurs. Et qu'est-ce qu'on voit en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise ou dans les Yvelines, les départements franciliens? Eh bien, des grandes cultures céréalières. Il n'y a presque plus de maraîchage. C'est une aberration. C'est une aberration, d'autant plus que le maraîchage, eh bien, c'est quelque chose qui est très productif en Île-de-France quand on se donne la peine de le faire, comme le sont d'ailleurs les pommiers, les poiriers en Île-de-France. Et moi, je connais des agriculteurs qui ont reconverti une partie de leur exploitation en culture maraîchère et fruitière, alors que la majorité de l'exploitation reste en céréales, et bien, alors que avec seulement des céréales, ils arrivaient à peine à vivre à deux, et bien, en introduisant d'autres cultures sans agrandir la superficie, ils ont créé trois nouveaux emplois dans une exploitation à Saint-Nom-la-Bretèche, par exemple. Donc, il y a des possibilités, mais il faut, à un moment donné, prendre des décisions et prendre des mesures aussi politiques qui encouragent de nouvelles orientations. Voilà un peu peut-être comment on peut conclure ce débat, puisqu'il n'y avait plus de questions dans le public. En tout cas, merci d'y avoir participé. Et puis nous sommes là, Paul et moi, à votre disposition pour poursuivre la discussion plus avant, si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez vous procurer le livre de Gérard Le Puil, qui est là pour la somme de 20 euros. Et donc, la réflexion que nous avons engagée depuis des quelques années, et cette année plus particulièrement, comme l'a dit André Chassaigne, nous a permis de déboucher ensemble sur une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'est-à-dire que tout le travail que nous menons ensemble produit des avancées et des constructions qui vont nous aider à aller plus loin. Donc, rapprochez-vous de la table maintenant. Merci à tous les intervenants pour vous procurer le livre de Gérard Le Puil et de notre ami.